Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente un nouveau nail art avec des petits papillons en résine 3D. Donc, je vais commencer par poser une base et un vernis de couleur. Pour la résine, je vais utiliser de la poudre, du monomère et un pinceau 3D. Donc, je vais prendre un récipient assez lourd pour qu'il tienne en place. Je vais mettre un petit peu de monomère à l'intérieur, puis je vais tremper mon pinceau et les saurer légèrement. Je les sors un tout petit peu parce que mon pinceau est tout petit donc il ne prend pas beaucoup de monomère. Si vous avez un pinceau plus gros, vous devrez certainement les saurer beaucoup plus. Donc ensuite avec mon pinceau où il y a un petit peu de monomère, je vais venir racler, on va dire effleurer la résine à la poudre pour former une boule. Parce qu'il faut vraiment que la boule se forme sous le pinceau et pas autour de la pointe du pinceau. Donc ensuite je vais venir poser ma boule sur le vernis là où je veux mettre mon papillon et tant que ma boule est, euh, est assez fluide, n'est pas trop sèche, je vais venir lui donner un début de forme en fait, donc euh, je commence à faire euh, la forme de l'aile, un petit peu les petites pointes euh, des, des ailes de mon papillon, je laisse sécher vraiment quelques secondes, un tout petit peu, pour pouvoir mieux travailler ma boule, et ensuite je vais tracer donc euh, un premier trait séparé en deux ma boule en fait. Et je vais écraser les côtés de la boule. Euh, donc regardez bien comment j'ai fait pour cette aile-là, puisque euh, pour l'autre côté de l'aile, j'ai eu un petit peu de mal à me placer avec la caméra et euh, j'ai eu plus de mal à écraser, mais c'est la même chose des deux côtés, bien évidemment. Donc ensuite, je vais prendre une deuxième boule de résine, mais beaucoup plus petite, puisque euh, l'aile du bas du papillon est euh, plus petite que la première aile. Donc ensuite c'est toujours la même chose, je commence à mettre en forme ma boule, puis je fais euh, un premier trait pour séparer ma boule en deux, et ensuite je vais venir ouvrir tout ça, écraser tout ça avec mon pinceau. Donc c'est pas grave si vous n'attendez pas assez, c'est pas trop trop grave je trouve pour cette déco si vous n'attendez pas assez parce que je trouve ça assez joli euh, les traces de pinceau sur la résine. Après ce n'est que mon avis. Euh, donc ensuite on peut euh, continuer à mettre en forme un petit peu l'aile avec le corps du pinceau et on va faire exactement la même chose de l'autre côté pour finir notre papillon. Donc on essaye de faire quelque chose d'assez symétrique, du coup on essaye de faire une boule de la même taille que la première boule qu'on a fait tout à l'heure. Ensuite, ce sera toujours le même système, donc on commence un petit peu à mettre en forme notre boule tant qu'elle est euh, un petit peu liquide. Puis euh, je la sépare en deux et je vais l'ouvrir avec mon pinceau. Donc en fait, euh, pour euh, la résine, il faut surtout savoir bien doser euh, le monomère et la poudre. pour avoir une boule euh, qui ait la bonne consistance. Parce qu'en fait au début, il ne faut pas que votre boule soit trop liquide, sinon vous n'arriverez pas à la travailler et ça va faire des traces de pinceau, etc. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop sèche non plus, sinon vous ne pourrez pas la déposer sur l'ongle, vous ne pourrez pas la travailler non plus. Donc voilà, il faut vraiment bien doser. Ça, ça viendra avec l'expérience. Ensuite, il faut aussi savoir quand travailler sa boule. Si vous le travaillez quand elle est trop liquide, pareil, vous, pourrez, vous aurez du mal à la travailler. Elle va s'étaler un petit peu. Si vous la travaillez quand elle est trop sèche, ben vous ne pourrez plus la travailler. Elle sera déjà sèche. Vous ne pourrez plus rien faire. Donc, il faut arriver à gérer tous ces éléments, en fait. Donc là, je suis en train de faire la dernière aile. Je donne la forme finale, il faut essayer de donner une jolie courbe à son papillon. Ensuite, je vais prendre de la peinture acrylique et un pinceau de détail et je vais ajouter un petit liseré, un petit bord à mes ailes. Donc je vais tout simplement mettre de la peinture acrylique sur l'arête, sur les côtés de ma 3D. Donc je fais ça sur toutes les ailes, je mets juste un petit trait. Vous allez me dire, ça ne sert pas à grand chose de mettre du blanc sur du blanc, mais la peinture acrylique est plus blanche que la résine, donc ça se voit quand même. Et ça va faire ressortir un peu plus notre papillon. Ensuite, je fais le corps du papillon, donc cette fois, je le trace sur le vernis. La tête est un petit peu plus grosse et le corps se finit en pointe assez fine. Je viens aussi allonger les, les ailes, le bout des ailes de mes papillons. Ça se fait beaucoup en nail art de d'exagérer les pointes, d'exagérer le, les feuilles, les ailes comme ici. Ça fait euh, plus élégant, je trouve. Après, c'est selon vos goûts, évidemment. Si vous n'aimez si pas, vous ne le faites pas. Là, je suis en train de faire les antennes. Donc, je fais tout simplement deux petites gouttes fines. Et je vais venir ajouter des petits détails à côté de mon papillon. Donc, vous faites vraiment ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé d'ajouter quelques arabesques. Donc, j'ai fait une première arabesque et là, je suis en train de faire la deuxième qui au début suit la courbe de la première puis va partir dans l'autre sens en contre-courbe. Donc voilà, je fais une arabesque assez fine mais légèrement plus épaisse à des endroits. Ensuite, je vais prendre du top coat brillant et du top coat mat. Je commence avec le top coat brillant, il faut le mettre sur le vernis sur tous les endroits surtout où il y a de de la peinture. Donc pour le moment, ne vous préoccupez pas pas trop de la 3D, ce n'est pas grave si vous mettez du brillant sur la 3D, il faut surtout arriver à mettre de, du top coat par-dessus toute la peinture acrylique pour qu'elle tienne bien. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi d'utiliser un top coat très liquide, comme ça il se faufile dans tous les petits recoins et il recouvre bien toute la peinture. Ensuite, je prends le top coat mat et je vais le mettre sur ma 3D tout simplement pour protéger encore une fois la peinture acrylique qu'on a mis sur le, sur le bord de nos ailes en fait. Si vous ne mettez pas de peinture acrylique sur la résine, ce n'est pas la peine de mettre du top coat sur votre 3D. Ensuite, je vais utiliser toujours mon pinceau et mon monomère mais je vais prendre de la résine pailletée. Moi, j'ai eu envie d'utiliser parce que je la trouvais superbe mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez laisser votre papillon blanc. Donc, toujours la même technique. Il y a du monomère sur mon pinceau, je prends une toute petite boule de résine et je vais la mettre à l'intérieur des ailes. Donc je vais mettre beaucoup plus de paillettes au centre de l'aile et je vais ensuite dégrader un petit peu les paillettes pour en mettre un petit peu moins sur les côtés. Donc moi je n'avais que de la résine pailletée verte mais euh, je pense que ça aurait été beaucoup plus joli avec du doré seulement je n'en avais pas donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et vous pouvez aussi colorer votre aile avec de la peinture acrylique si vous préférez. Donc voilà pour cette déco, je ne mets pas de top coat par-dessus mes paillettes, ça tiendra très bien. Vous avez plus d'infos sur la technique de la résine en barre d'infos sous la vidéo, comment enlever par exemple. Donc voilà, je vous fais des bisous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux ou encore cliquer sur les deux images du bas si vous avez envie d'en voir un peu plus.